le Haut Médoc d'Issan. Il s'agit d'un vin de Bordeaux produit par le château d'Issan, qui est un cru classé de l'appellation Margaux et qui a de la vigne juste un petit peu plus loin que la frontière de l'appellation Margaux. Et il s'agit de l'appellation Haut Médoc. Donc on est en bordure des terroirs prestigieux avec ici un cépage, des cépages Cabernet Sauvignon et Merlot en assemblage sur un vin qui semble être vraiment à point aujourd'hui quand on regarde la couleur. On a une magnifique robe grenat avec des reflets rouge rubis, donc c'est vraiment un vin qui semble être à parfaite maturité aujourd'hui. Au nez, on a un vin qui est très fin. C'est quand même fait par le savoir-faire margallais, et donc on a ce côté raffiné, élégant, qu'on connaît bien sur l'appellation Margaux, et qui se retrouve ici dans le Haut Médoc du château, avec ce côté fruits rouges, fruits noirs légers, un boisé très fin, une petite note un peu réglisse. Donc c'est vraiment un nez tout en finesse, et qui est à point aujourd'hui. Il semble vraiment très abouti. Alors on va voir en bouche. Et bien voilà que ça se confirme en bouche avec une structure très raffinée, un grain de tanin délicat, des tanins fondus, donc finalement un vin qui confirme sa maturité, un vin qui est très équilibré également, sans excès, aucune verdeur, aucune surmaturité. C'est très juste par rapport à la date de récolte, très certainement, à l'extraction. On sent que c'est pas un vin très très puissant, très très charpenté, très tannique. On est plutôt sur un Bordeaux dans un style aérien, raffiné. C'est de la dentelle, hein. C'est vraiment de la dentelle à Issan. Donc voilà, ça se confirme vraiment en bouche sur une finale longue, très équilibrée. Donc voilà, je vous conseille vraiment de découvrir ce vin avec des plats plutôt de viande rosée ou rouge. Donc on pourrait déjà commencer avec de la viande de veau, de la viande de canard, comme un magret de canard pourrait convenir. Je pense peut-être aussi même encore mieux avec de l'agneau. Et puis on peut partir sur un filet de bœuf si on le souhaite, mais sinon, si vous êtes amateur, testez avec l'agneau, ça va faire vraiment un très très beau mariage. Voilà, belle découverte avec le Haut Médoc du château d'Issan.